Aujourd'hui, on va travailler sur le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Tournez à la page 92. La page 92. 92. OK Chapitre 4, leçon numéro 5. Qu'est-ce qu'une fête nationale Qu'est-ce que une fête Pardon, qu'est-ce qu'une fête nationale Fête, fiesta, party, or holiday. Fête nationale, ça veut dire que c'est du pays, de la nation. Ok Une fête nationale, c'est un jour spécial qu'on célèbre, dont on célèbre une personne, plusieurs personnes. Ou un événement, ok. Donc je vais réviser avec vous le mot jour. Ça veut dire day. Um, mm, 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 jour spécial, fête, holiday or fiesta or oui, fête. Um, les gens ou personnes ça veut dire people or persons ok Personne, persons ok et national ça veut dire du pays of the country Ok Donc, une fête nationale. Ah, et le mot célébrer encore. c'est Célébrer. Ça veut dire to celebrate. Or, célébrar en espagnol. Ok Donc, on... pour réviser encore, une fête nationale, c'est un jour spécial. Un jour spécial où on célèbre. Une personne, des personnes ou un événement. Un événement. Un événement. Un okay? événement. Un événement. Okay. Donc maintenant, on va parler des images, des trois images ici. On va dire qu'est-ce qui est. Euh, Illustrer dans les images, qu'est-ce que euh, ça représente. OK? Et après, on va tracer une ligne. On va tracer une ligne pour faire correspondre chaque image à euh, sa phrase. OK? Donc, on va tracer une ligne. Alors, dans la première image, qu'est-ce que nous voyons? Qu que nous voyons hmm? c'est un président c'est un, pré President. un président président présidente c'est un président c'est abraham lincoln et du coup on dirait que lui il représente la fête nationale de du jour du président c'est le jour du président le jour du président oui <coughs> ensuite nous avons plusieurs personnes qui mangent qui ont leur dinde OK et des pommes ou je sais pas peut-être c'est un tomate Okay. C'est une tomate. Um, et eux, ils mangent ensemble en famille. Donc, je, on, avec la famille, on dirait que c'est peut-être, c'est très probablement parce que il y a la dinde. C'est très probablement un jour en novembre qui s'appelle le jour d'action. De grâce, Je n'ai pas tout écrit parce que j'ai pas assez d'espace, je ne crois pas. Mais le jour d'action de grâce. Mm -hmm. Et en espagnol, on dirait quelque chose de pareil. El día de acción de gracias. Thanksgiving Day, oui. Le jour d'action de grâce. C'est le jour où on remercie que les les indiens, les locaux, les natifs. Ils ont travaillé ensemble avec euh, les Anglais, les nouveaux Américains, pour euh, leur aider à, à, à trouver des choses à manger et à construire leur maison et à s'établir. En gros, ils ont aidé à s'établir. Ils l'ont aidé à s'établir. Ok, c'est donc... Alors, pardon, c'est donc le jour d'action des grâces. Le jour d'action de grâce. Okay. Et là, dans le dernier carré, nous avons des petits enfants. Les enfants avec des drapeaux américains et bien des t-shirts américains et des chapeaux américains. Hmm, Qu'est-ce que c'est On dirait que c'est le jour. D'indépendance, oui. C'est le jour d'indépendance. 1. Dépendance. Ou bien le 4 juillet. 4 juillet, oui. C'est le jour qu'on célèbre pas forcément des personnes, mais plutôt un événement un événement. Oui. Donc c'est des personnes, un événement, un événement. Et maintenant, on va tracer une ligne pour faire correspondre chaque image à sa phrase. Donc la, le premier carré en bas dit nous célébrons, nous célébrons notre pays. En espagnol, ça c'est país. En anglais, ça c'est country. Nous célébrons notre pays. Est-ce que c'est le premier carré avec le président mmh, Non, pas vraiment. Est-ce que c'est le deuxième carré avec. La dinde et les gens qui fêtent le jour d'action de grâce hmm. Pas vraiment. Non. Est-ce que c'est le jour qu'on célèbre notre pays et l'indépendance de notre pays le 4 juillet Oui. Donc on va tracer une ligne de la phrase jusqu'au carré, comme ça. Parents, if you think your child has understood what to do, go ahead and let them do the rest of this activity on their own and only check the end of the video once they finish so they can compare their answers. Also, go ahead and ask them what specific words do they recognize? Are there any content specific words like célébrer, jour, événement that they recognize? And are there some words in general that they already knew from class that are not necessarily specific to um the content but are still present in this lesson that they recognize so again ask them what words they recognize if they understood the instructions and if they can continue the activity on their own now i will continue in french ensuite nous avons le deuxième carré en bas qui est marqué nous nous souvenons ça ça veut dire to remember nous nous souvenons De nos courageux leaders. Ça, c'est le mot-clé. Leader. Un leader, c'est le chef, le boss, ok, la personne en charge. Et dans ce cas-là, c'est la personne en charge du pays. C'est le chef du pays, le président, le leader. Oui. Donc, est-ce que ce carré est lié au président, au vieux président Abraham Lincoln. Oui, c'est ça. Le jour du président, j'essaie de faire une ligne épaisse. Le jour du président, c'est le jour où on se souvient, où nous nous souvenons de nos courageux leaders comme président Abraham Lincoln, comme George Washington, comme d'autres présidents, comme euh, d'autres présidents, oui, plusieurs présidents, tous les présidents. Ok, et finalement, nous avons ce dernier carré qui dit nous rendons grâce, nous rendons grâce pour ceux qui parlent espagnol, ce mot doit être euh, relativement facile à, à deviner ou à comprendre. Parce qu'en espagnol, le mot, il est pareil. Gracias. Gracias. Et en anglais, ça veut dire thanks. We give thanks. Et en fait, ce mot-là, c'est le même mot que celui-là. Le jour d'action de grâce. Le jour d'action de grâce, c'est un jour où on rend grâce à tout ce qu'on a. Ok Donc on va relier les deux carrés avec une ligne. On va tracer une ligne d'un carré à l'autre, comme ça. Ok Super bon travail les enfants, merci beaucoup, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir